Ouais, je vais faire d'une tri-squad, j'ai l'impression. Ok, ça c'est terminé. Ensuite, il va falloir qu'on avance. Faut que j'aille construire une citadelle plus haut. Ah, j'avais pas vu, il avait monté de niveau. Bon, on va encore augmenter le soin qu'il peut faire, même si pour l'instant on l'a pas utilisé. Ah si, ouais, toi, je t'avais déjà fabriqué. Ok, la limite de population, on va l'augmenter grâce à lui. Il a l'air violent lui. En plus, il augmente. C'est sa présence qui augmente la population. Et c'est un rayon de combien? Alors, t'es sérieux, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de rayon? Donc là, par exemple, on vient de monter à 24 de population. Et là, on est monté à 12. On est à 12. Ah ouais, il semble... Non, ça doit être dans la ville où il est. Ça doit être précisé, mais... Dynastie. Plus 6 de limite de population. Bah attends, mais au pire, je suis con. Je regarde ça. Ok. Unité plus 6. Alors que si on va là... Ah bah si. Plus 6 des unités. Ouais, on dirait que ça l'a attribué à tout le monde. Ici aussi? Ouais, c'est ça. Ok, bon, j'ai rien dit. C'est la violence. Pas te soigner, on va te ramener derrière pour que tu puisses être un peu mieux protégé. Ici, il faudrait que je construise une zone supplémentaire. Ici, c'est déjà en train de fabriquer, donc on va pas l'embêter plus. What? On fait des trucs? Il a perdu la cité? J'ai l'impression, parce que normalement, elle s'étendait jusqu'ici. Alors, ça voudrait dire que les Space Marine Co. peuvent construire deux cités. Enfin, plus d'une cité. Il y a encore le bout de cité à droite. Alors, chapitre 5, un messager dévoué. Bah, ça je l'ai fait. Ah oui. Vous assistez personnellement à l'ouverture de l'abri à l'intérieur de la nuit. De la ruine, vous découvrez des restes. Des guerriers humains et un groupe de prétoriens triarches morts depuis longtemps. Incluant un corps mutilé qui est visiblement celui d'Aistan. Cependant, vous l'avez. Vous l'avez vu juste avant que la crypte
que la cryptech découvre cet abri, ou quelque chose qui lui ressemblait du moins. Bizarre, elle est passée où la cité ici? Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est fait dégommer une cité. Il est violent. En plus, il vient de gagner un niveau. Donc il va devenir encore plus violent. Ok, toi tu te soignes, t'attaques. Toi t'as des foutus malus et il te reste que 9 points de vie. Ça va le faire. Là, on va monter vers le nord pour découvrir un peu la zone. C'est où l'endroit? Ah bah il est juste dessus, mince. Je vais éviter d'aller par là parce que c'est par là qu'il y avait les orques. J'ai pas vraiment envie de me faire d'aggro les orques quoi. Ouais, j'ai besoin de 13 d'unités, j'en suis qu'à 12, mais dans un tour j'aurai une unité de plus. Enfin une population de plus. Toi t'es encore en train de construire. Ouais, c'est bizarre qu'il ait perdu sa citadelle. Enfin, une partie de sa citadelle. Non mais c'est bon, tu vas arrêter de tirer sur mes hommes. J'ai l'impression que je peux pas tirer et enfin me déplacer et tirer. Avec l'apocalypse. Map, on peut pas. Il n'y a pas comme sur Civilization où on fait le tour de la planète. Toi, par contre, ouais, je vais te laisser derrière. Et du coup, il faudrait que je fasse des unités en plus. Produire de l'infanterie ici. Ah mais je peux construire des trucs sur cette case. Parfait. Je pensais que je pouvais pas en fait. Recherche terminée, compression des abords. En altérant les contraintes dimensionnelles de charge de chaque abri, bien plus de nécrons peuvent être recueillis pour des réparations ou leurs entretiens. Ça augmente le nombre de nécrons dans les abris.
hop, toi tu dégages. Enfin, tu dégages toujours ton passage. Ok, va falloir qu'on se termine les... On se fasse les unités qui sont là-bas. Là, elles sont beaucoup trop nombreuses. Toi pour l'instant tu restes sur place, toi t'avances. Putain, 0,6 de dégâts. Ça fait que dalle quoi. Oh! Chaussée sans nom, ça y est, c'est construit, et du coup on peut produire une faute de la nuit. Je pense qu'on va en construire une deuxième chaussée sans nom, histoire de, d'accélérer un peu le, la production des fautes de la nuit. Alors, mononymique, on va voir pour le niveau 8. Cétane transcendant, unité de monstrueuse créature avec une panoplie de pouvoirs dévastateurs. Ok, augmente la production de loyauté des sanctuaires, ça on va peut-être le faire. Faux du destin, unité polyvalente de chasseurs aériens. Aérien ou anti-aérien? Non, aérien. Marteau du courroux, mais j'ai pas ce qu'il faut. Augmente la restauration de points de vie par les réparations nécrodermiques. Non, on va faire la... Covenant baroque. J'arrive pas à le prononcer, c'est énervant. C'est la loyauté, c'est clairement une petite galère pour une épreuve. Oh non! Putain, j'ai cru que j'allais perdre dans une araignée canotèque. Ah bah, je vais peut-être perdre une araignée canotèque en fait. Chapitre 6, le secret du roi silencieux. Estan communique avec vous. Ou plutôt la chose qui se prétend être Estan. Elle est un éclat transcendant de Mephetran. Le messager, l'imposteur, le même Cétan qui a condamné votre peuple dans ses corps de métal avec ses mélodieux mensonges. Autour de lui se tient une légion de vos fidèles nécrons, le regard vide comme les destructeurs que vous avez vaincus avant. Par la voix torturée d'Estan, Mephetran se vante que vous lui avez donné les clés de la technologie des anciens et vous invite à vous soumettre à vos anciens maîtres. Vous coupez la communication en désespoir. Votre Siptech a toutefois ses propres secrets. Depuis une tombe en stage cachée, une araignée hisse un don précieux du roi silencieux. Sauvé depuis l'époque de la rébellion, un appareil aéonique précisément fait pour tuer un Cétan. Si nous parvenons à reprendre l'appareil de contrôle et utiliser la technologie des anciens avec celle du roi silencieux, nous pourrons pulvériser ces arrogants Cétan. Et une fois que nous aurons montré aux autres races de cette planète que nous pouvons même écraser un dieu des étoiles, assurément, elles rentreront dans le rang aussi. Bientôt, les éclaireurs des faux du destin rapportent que l'arrogant Cétan a perdu l'appareil de contrôle de son armée de nécrons sans âme. Un raid éclair avec toutes nos forces devrait être suffisant pour les chasser. Alors, détruire l'armée rebelle Nécron, encore.
prendre l'appareil de contrôle d'abri. Ah non, mais si en plus j'ai à nouveau des nécrons qui se pointent, ça va être d'une galère. Bon, on va terminer ce là. Toi, tu te barres loin derrière. Ah bah ça les a dégommés en fait. Toi tu te mets à couvert. Là j'ai un joli niveau supérieur. Là il n'y a plus d'unité ennemie. On va capturer ça. On va juste faire une ligne de défense. Voilà, qui sera presque infranchissable. Puis l'arche de l'apocalypse, on va la faire avancer. Alors ici c'est en train de construire gentiment, ok. Elle est pas finie l'autre arche ? Ah bah non, encore 4 tours, il semblerait. Ah putain, il spawn là, les trolls. Le truc il apparaît comme ça, sans trop de galère. Ah, je vais me faire démolir. Faut que je ramène toutes mes unités au-dessus. Déjà, tu vas essayer de te soigner, même si à mon avis tu vas mourir au prochain. Au prochain tour. Et puis, il faut que j'essaye de ramener mes autres unités. Ah, mais c'est vrai que l'arche, c'est un truc qui vole. Tu restes ici. Toi pour l'instant tu bouges pas. Toi tu t'occupes de lui. Ah, s'il avait pu dégager cette case, ça serait génial. Pas bouger, tu te répares. Toi, pas bouger, tu te répares. Ici, je fais quoi? Je fais des unités en plus. Ah ouais, j'ai des dangers juste à côté. On va faire des unités en plus. Ici, je vais construire une chaussée sans nom en plus. C'était sûr. Quête ajoutée. Des crânes pour le trône des crânes. Vos troupes interceptent le dernier messager des psycheurs non approuvés de l'Imperium. Tant de guerres, tant de morts, tant de sang. Cela tire ce monde vers une faille du warp proche de son royaume.
dans un royaume de guerre sans fin où les puissants meurent et se relèvent chaque matin pour combattre à nouveau. Ma plus grande peur était qu'il envoie un de ses serviteurs pour hâter notre arrivée, et cela s'est réalisé. Quoi que nous faisons, cette planète est à cornes désormais, le seigneur des crânes est ici. C'est le seigneur des crânes en 10 tours. Mais non! Mais allez-y, continuez. Putain. Les gars, j'y crois pas. Je trouve pas que je m'occupe assez de... Enfin, que j'ai assez de trucs à m'occuper là. Allez, on fonde une petite ville ici. Et on commence déjà à l'agrandir. Éviter dans l'ombre aussi. Là d'où ils sont, ils peuvent pas... Non. Ils peuvent pas attaquer. Ici, il faut que j'agrandisse la cité et on va produire une faute de la nuit. J'ai cru qu'ils arrivaient de l'autre côté. Hop. L'autre il l'attaque et au final. Ok. Tu restes en défense. Bon, toi tu continues ton massacre. Pourquoi tu peux pas attaquer? Bizarre. Ah, la cible est peut-être trop loin. Une unité par cible en fait. Du coup, toi, il va falloir que je te recule. Les unités ont disparu.
contre les, ouais, les Space Marines du chaos qui se mettent à avancer, là j'aime pas ça. Ils vont se faire canarder par l'unité à droite, mais c'est pas grave. Mais attendez un peu. Voilà. Donc ça, maintenant, faut que tu redescendes. Ici on a des unités supplémentaires. Voilà, tu te régénères et t'attaques même si tu fais pas beaucoup de dégâts. Galère quand même d'avoir plusieurs fronts à gérer en même temps. Alors du coup ici je peux faire des unités, c'est bon, mais ce qu'il me faudrait surtout là c'est du minerai. Ouais, on va quand même refaire des immortels en plus, même s'ils sont pas hyper balèzes, c'est l'infanterie la plus forte que j'ai pour l'instant. Pour en fabriquer une deuxième, histoire d'aller un peu plus vite. Faut que tu dégages de là, tu vas te faire exploser. Oh, il y a une nouvelle arche de prêtre. Ça, c'est parfait. Ok, on s'en sort. Ah mais attends, j'ai tout encore à utiliser. Faut que je vois si je peux construire une cité encore plus haut ou pas. Oups. Ah, c'était pas une bonne idée. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis, si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.